En conclusion, que faire si on me demande de payer une dépense qui sort de l'ordinaire? Avant de payer une dépense ou d'encaisser une recette, vous devez systématiquement vérifier que la nature de l'opération est bien inscrite dans l'acte constitutif de votre régie. C'est à ce document-là que vous devez vous référer au moindre doute. En effet, l'acte constitutif de votre régie a été élaboré par l'ordonnateur, puis approuvé par le comptable via son avis conforme. S'il arrive que votre ordonnateur vous demande d'effectuer une opération qui semble être en dehors de vos compétences, c'est-à-dire n'apparaissant pas sur la liste des opérations autorisées, rapprochez-vous immédiatement de votre comptable. En effet, en tant que régisseur, vous agissez pour le compte du comptable et à ce titre, vous êtes soumis aux mêmes obligations que lui. Il est donc l'interlocuteur privilégié pour répondre à vos interrogations et il vous assistera dans vos relations avec l'ordonnateur en cas de demande incongrue. Il sera à même de justifier votre refus de payer la dépense ou d'encaisser la recette demandée.